il pleut de ouf, c'est horrible, je suis trempé. Dites-vous, il y a un bug, il est là-bas, en scooter. Il transporte un colis, le frérot. Je sais pas comment il fait, il est vraiment chaud. Ok. C'est un malade, lui. Il est chaud, il conduit à une main comme ça. Regardez la taille du colis. Comment? Oh. Oi, oi, oi. Ah ouais. Il est équipé. Il est équipé, hein. Ah, c'est dur, là. Gros vent. Ah, mets-toi à l'abri, c'est un ouragan. Oh, je me suis pris une tornade. Une tornade est un tourbillon d'air qui descend du ciel. Une tornade est un tourbillon d'air qui descend du ciel. Ah là, il a claqué partout. Ouais, de ouf, en fait. Malade, j'entends pas la musique, le rouge. Ah, t'es en ouf. Retour dans ta gueule. Oh la vache. Rendrage. Arrête. Je peux essayer de le casser ou pas en vrai? J'ai toujours voulu casser un rétro. Oh, petit burn et tout. Oh non les gars, écoutez-moi cette mitraillette. Quand tu fais ça à côté des Tu vas avec Thomas, il nous klaxonne. T'es vers le bas, il nous klaxonne, on se tourne, il fait. Regardez les gars, j'attends que le feu soit vert et moi je vais lui faire quoi. Regardez là. Ouais d'accord. Regardez bien, attendez. Ouais. Toi, tu suces. Ouais. Regardez le feu, il est vert. Ouais, attendez, ouais. J'attends, regarde. Ouais. Il est trop con, il comprend pas ce que je dis. Ouais. Il comprend même pas ce que je dis. Ouais, alors que je vais choper ses clés, regarde, 3. Ouais bah en fait. Tout pareil. J'ai rien compris. Le genou, il touche le genou. Bruh. Oh merde. Oh, ah, il était propre. Il est chaud, il est chaud. Les gars, là j'étais en moto, je viens de m'arrêter vite fait parce que regardez sur quoi je suis tombé. Magnifique Urus, jaune pétant comme ça là. Les jantes sont incroyables. Voilà, normal, un petit Urus garé comme ça. Enfin, c'est à côté d'une concession, mais ils ont que des gamos. Là, par exemple, t'as un RS5, là, t'as un Urus, SQ5, M5, RS3. Il y a des voitures de fou. Je sais pas où je suis tombé, mais... En tout cas, dinguerie. Hein. Vieille M6 comme ça. Là, petite M de compétition bleue. Incroyable, je kiffe. Petit pas de danse. Moi, le rap, je suis dedans. Je dédicace mon gris maintenant de temps. Ça fait froid. Hein. Oh là là. Ah bah ben voilà. Nickel. C'est une galère. C'est une galère. Mais ça fait 10 minutes que je tourne en rond dans toute la ville pour trouver ça. Ouais, merci. Comme ça, j'ai pas le temps. Ouais. Ouais. Neuf, elle a 9500, 10 000 à peu près. Ouais, d'origine. Ouais, d'origine. Ouais, le lèche-roue arrière, ligne complète, le pot d'échappement surtout. Et la peinture, c'est une peinture perso. Ça veut dire qu'en fait, on peut pas l'acheter comme ça. Ouais voilà, j'ai démonté les jantes et je l'ai emmené en carrosserie. Tout ça. Ouais c'est ça carrément. Et la selle aussi tu l'as. Ouais j'ai fait la selle, les rétros. Donc ça va. J'ai plusieurs couches, non. J'ai plusieurs couches mais j'avoue il caille un peu là. Il fait froid. Ah il faut. Comment? Ouais full carbone. Il est super léger, ouais. C'est en carbone. Juste la nuit ta visière. Ouais par contre la nuit on voit rien. C'est abusé, c'est chaud. Bon bah bon courage, bonne journée, merci. Pourquoi tu fais la timide là, enlève tes écouteurs. Mais attends, je... T'as mis un petit foulard et tout. T'as vu, c'est... arrête, c'est pas trop kiki. Si, c'est stylé. Ouais. Mais j'ai peur que tu cailles là en fait. Non mais vraiment genre, là tu te rends pas content. MT9, 5 degrés photo, là tu vas cailler hein. T'es comme ça. C'était incroyable. T'as froid?
Menteur, va, t'es comme ça. Par contre, ça va être galère. Bon, tu vas vraiment cailler, hein. Je crois arrêter de me le rappeler, s'il te plaît, j'en Eh, t'as vu? Eh, c'est une dinguerie, hein. Depuis que j'ai refait les jantes, les gens ils kiffent, ils me posent plein de questions et tout. Toi, tu kiffes pas? Ok, ça veut dire que t'aimes pas. Hein. viens, regarde d'ici. Elle est pas trop belle. Mais j'ai dit qu'elle était moche, hein. J'avais dit qu'elle était moche, elle est belle. T'as dit toi, tu kiffes en mode ça pue sa mère. C'est toi qui compte. Ça veut dire t'aimes pas. Mais n'importe quoi, j'aime bien. Pourquoi tu mens? T'aimes bien. Mais là, c'est pas fini encore. Mais c'est pas fini. Parce que c'est pas le même bleu, les gars. Là, c'est un bleu turquoise. Là, c'est un... Après, en soi, je commence à m'habituer de plus en plus. Ça me gêne de moins en moins. Un rétro. Ça, c'est un rétro. Ça s'appelle ouais, visière. Hein. Allez, bien vu, mon ref. Revois ton code. Oh putain, elle rentre même pas. T'es chiant. Mais tire. Tu l'as mis la dernière fois. Tu l'as déjà mis. C'est moi qui l'ai mis. Oh, tu fais chier, hein. Nique comme mouk. En plus, t'as vu quand t'as écrit le message là? Quoi? Le message sur Snap. Quel message? Arrête. Aïe! Quel message? Quel message? Ah, qu'est-ce que bah... Le message sur Snap là, mais déjà. Attends. Le message sur Snap! Quel message là? T'as dit oui, t'as fait le ritual là-bas. Oui, bah quoi? Ah, le deuxième message. Ah, elle a vu? Moi, tu lui montres aussi. Mais elle était à côté de moi. T'es chiant, c'était pour toi le message, c'était pas pour ta pote. Donc elle a vu ce que j'ai dit sur... Elle a dit quoi? Elle a dit, c'est super drôle. Elle a dit, est-ce que t'approuves? Non. Non, elle m'a pas dit ça. Elle m'a dit, c'est super drôle et tout. D'accord. Bah, c'est... Mais si, c'est Mélissa, wesh. Ah, Mélissa, wesh. Ah, Mélissa, wesh. La cité, wesh. Inter comme Cardo, en fait. Je t'explique, t'hésitais pas à commander avec mon code promo ici. Tiens ton sac de gonzesse. Je t'envoie en enfer à bord du jeune MT-09 aberrant de coiffeur. Reste à longtemps. Longtemps encore. Mais doucement. Encore. C'est bon? Entraîne-toi à baisser et ouvrir pour voir si t'arrives celui-là. Celui-là il est plus simple, hein. T'as vu? Évite de t'accrocher à moi en fait. Oh non! Mais tu l'as. Putain, je fais chier. T'as vu? Ils t'ont mis en statue. Ils t'ont mis en statue ici là. Ils ont fait une statue de toi. Ouais. Bon les beaux gosses, là on se retrouve avec ma magnifique Mercedes CLA AMG de 2015. Pourquoi je vous montre ça? Alors aujourd'hui on a rendez-vous chez Autoac 94. Donc ils sont spécialisés dans la rénovation de jantes. Donc voilà, venez de ma part, vous aurez moins 10% avec le code promo JCPROD. Donc si vous voulez rénover vos jantes de voiture ou de moto, faut savoir qu'ils font aussi les jantes de moto. Donc ça peut être rénovation de jantes, peinture de jantes aussi si vous voulez, vous avez un projet carrosserie, repeindre vos jantes. Moi comme vous voyez, mes jantes sont brossées, je les avais achetées comme ça. Elles sont vraiment vraiment, oh là, j'avais pas vu le pneu, elles sont vraiment usées. Et surtout les gars, vous voyez mon noir, il est en train de s'estomper. C'est à dire que si vous voyez bien sur ma Mercedes, la couleur un peu, c'est pas qu'elle jaunit mais elle blanchit. Et c'est pas de la saleté, regardez. C'est pas de la saleté, ça veut dire que les jantes ne sont pas bien noires, elles sont un peu blanchâtres. Et tout le liseré argenté que vous voyez, il est vraiment abîmé. C'est pourquoi j'ai pris rendez-vous chez Autoac 94, c'est situé dans le 94 à Villeneuve-le-Roi. Il y aura l'adresse dans la description. Et pour ceux qui ne savaient pas, oui, du coup, j'ai un CLA, j'ai vendu le Classe A pour acheter CLA 200, pas KMG. Donc j'ai effectué beaucoup de modifications, il y aura une ligne, etc. qui arrivera aussi prochainement. Donc dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo présentation de la voiture. Donc les gars, là, je prends la route. Bon, allez les gars, moi, je prends la route. On se retrouve directement à Autoac. Dès qu'on est arrivé, ça va être carré. Je vous reprends là-bas une fois qu'on est avec tout de suite la MIF. Voilà les gars, du coup on est bien arrivé. Là on va rentrer la Mercedes directement dans le garage. C'est parti. Bon, du coup les gars, c'est parti. On est dans le garage. Comme vous voyez, il y a les rénovations de jantes qui sont juste là-bas dans l'atelier. On va déposer la Mercedes.
pour faire les jantes. Voilà, bah du coup les gars, la voiture est dans le garage. Là, on est en train de monter les jantes provisoires, le temps de qu'ils fassent les jantes, parce que ça a duré 48 à 72 heures. Donc voilà les gars, vous avez l'adresse en description, l'Instagram s'affiche aussi sur l'écran. Si vous avez des projets sur vos jantes de moto, faut savoir qu'ils font aussi les jantes moto. Donc là, on est en train de mettre des jantes provisoires, le temps de faire la peinture. Donc tu m'as dit, ça allait mettre combien de temps à peu près pour faire 3 jours. 3 jours, ouais, ok. Ok, donc du coup, pendant 3 jours, vous allez refaire ouais, on va repartir. Refaire la jante et refaire la couleur, comme on dit. Zéro, on va mettre toute la peinture, tout ça en fait. Ouais. Repeindre la couleur que tu veux. En noir, ouais. En noir. Toi, noir, noir brillant. Ok. Et puis on va passer à la machine en tout. Ouais. Pour faire la... Ok, carrément. Ah, donc ça, les gars, ce sera comme moi je vais faire. C'est ce rendu-là, noir brillant. Donc ça sort du four. Ça, c'est pour quel véhicule? Celle-là, je crois. Celle-là? Ok. Ça, ça, ouais, ça ressemble à mes jantes. Ça ressemble, ouais. A few moments later. Voilà, les amis, on se retrouve quelques jours après. Qu'est-ce que tu fais? J'ai tout simplement récupéré la Mercedes CLA. Le travail est incroyable. Les jantes sont magnifiques. Ils ont fait du boulot de fou, les gars. Regardez-moi le noir brillant. Bon, là, ils sont un peu sales, je suis désolé. Noir brillant, il est magnifique. Le liseré argent, je sais pas comment ils l'ont pensé. Enfin, je sais pas comment ils ont fait, mais il est incroyable. Vous voyez, les jantes sont toutes neuves, les gars. Sont toutes neuves. Il m'a dit qu'il y avait beaucoup de clients de... qui font des locs d'agences de location, parce que souvent, c'est ce qui saute en caution. Mais là, c'est un peu roulé, hein. Donc la jante est sale, désolé. Mais elles sont incroyables. Vous voyez, le liseré argent, il a été refait. Je vous mets des photos d'avant et d'après. C'était tout écaillé, tout fissuré. Ils ont fait un boulot monstre. Prochaine étape, c'est de faire mes étriers. Je vais faire mes étriers en rouge. Je vous mets des photos, ce sera magnifique. En tout cas, voilà le rendu. Vous voyez, les jantes sont plus opaques, blanches. Elles sont bien noires, brillantes. J'aime beaucoup le rendu. On peut faire toutes les couleurs, ils sont vraiment chauds. Grand merci à AutoHack, les BG. N'hésitez pas à leur envoyer de la force, il y a le site internet dans la description, il y a leur Instagram aussi en description ou qui s'affiche à l'écran. Vous leur envoyez un message de ma part. Tous ceux qui ont des projets de jantes, que ce soit voiture, moto, peinture, rénovation, etc. Ça se passe ici, c'est des boss. Maintenant, je vous mets quelques vidéos qu'ils m'ont envoyées de quoi repeigner les jantes. C'est parti. Les gars, je me baladais, je viens de voir un truc don du sang, je vais prendre des informations, parce qu'en vrai, je suis chaud de donner, j'ai toujours voulu donner. Mercredi 15, c'est quand ça? C'est pas aujourd'hui, c'est bon. Un mec qui se fait soulever sa voiture là-bas, gros. En vrai, ça m'intéresse. Donc je prends photo. Servir, je sais pas si je suis éligible à donner, les gars. Hein, faites des actions comme ça, c'est important. Vous, ça vous coûte rien, vous avez rien à perdre. Pas du sang, mais c'est une petite quantité, tu vois. Et si ça peut aider, franchement, mais est-ce qu'il a le droit de faire de la propagande comme ça? Par contre, est-ce qu'il a affiché ça sur un panneau publicitaire, enfin un panneau de rue, mais ça vaut le coup, ça coûte rien et ça peut aider vos prochains. Salut à tous, c'est JC Prod YouTube. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo avec Léanie Macedo, elle me masse le dos et actuellement un scooter des mers. Oudrich. Le bolide, les gars. Attends, est-ce qu'on leur explique? Les gars, pourquoi il est en 125? Vous en souvenez? Je voulais plus de ma MT, voilà. Il avait une MT rouge les gars, ceux qui le reconnaissent, il avait une MT rouge, maintenant il est en scooter et c'est pas un truc pour le travail et tout, c'est ça. C'est son nouveau véhicule. Voilà. Parce que je vous mets une photo de la moto à l'écran et de sa tête à l'écran. Voilà, explication dans une prochaine vidéo, mais on vous expliquera plus tard. En tout cas, n'achetez pas de Rurock. N'achetez pas de Rurock parce que ça l'a pas protégé. Du coup, il a perdu sa moto lors de l'accident. Et oui, il s'est bien niqué pour dire que c'était un 125 qu'on peut sneaker facilement. Donc faites attention, du coup, il a racheté un scooter. Voilà, pour faire des économies, il reprendra une bécane quand il aura le A2. Pour l'instant, il a un scooter 125. Donc c'est carré en fait, vous allez le revoir sur la chaîne, il est rétabli, mais en scooter et non plus en 125 rouge. Je sais que vous kiffiez tous ça, 125, son kit déco et ses magnifiques flammes pétarades qu'il faisait, mais malheureusement ce n'est plus possible.
Mais bon, il a la santé. Il a eu fracture du nez, fracture de l'arcade. Oh là là. C'est à la 45, magnifique. Luxation de l'épaule, fracture du nez, fracture du bras. Par contre, il a un nouveau casque, nouveaux équipements. Du coup, il a pris un petit scorpion jet avec un petit intercom. Donc là, il se met bien. C'est vrai que par contre, du coup, un scout, il est confort. Il est confort pour aller au taf et tout. Qu'est-ce qu'il branle ? Ah, il y en a qu'à moi en fait. Bon, ça va être dur de suivre la MT9 avec le scout, mais bon, on va essayer de réussir à rouler ensemble. Avec le 125, il arrive à peu près à me suivre, donc ça va. Si je roule comme ça à côté de lui, que je ne bombarde pas trop. D'ailleurs, de toute façon, on va aller mettre de l'essence là, les gars. Donc là, on va à la station essence. Mais waouh, il freine comme ça, le con. Mais vraiment en fait, vraiment. Ça va, ça marche bien. Ouais, ça marche fort, T'es en pointe, tu es en première. Bon là les gars, il y a la police en interfile. Oh la petite Bentley. Ils sont en train de nous ouvrir le passage. C'est plutôt carré. Pour l'interfile, c'est carré. Magnifique, décapotable. Bleu. Un bon bleu. Par contre, c'est la police, mais version bizarre. T'as vu, c'est pas la nationale ou quoi. On dirait une escorte. Enfin, y a que deux trucs de police comme ça. Je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous savez. En tout cas, c'est bien blindé. Les vitesses sont bien teintées. C'est des fous. Oh la dinguerie. Il a appuyé d'un coup. J'étais pas prêt. Un peu peur que le téléphone, je sais qu'il va pas prendre l'eau, les pochettes sont étanches. Mais là, le port USB, c'est l'électronique et j'ai peur un peu. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Non. Je sais pas par où il me fait passer le GPS là. Je dois juste aller à la Tour Eiffel moi. Je sais pas si c'est parce que y a des bouchons ou quoi, mais. Mais là, c'est vraiment, vraiment pas un plaisir de rouler. Hein. C'est là que je me rends compte, la moto, c'est un plaisir, mais. Quand c'est ton seul moyen de transport, moi c'est pas le cas, Dieu merci, mais quand c'est ton seul moyen de transport, t'as pas de voiture à côté, franchement forçable. Wow, il m'a fait flipper le con. Comment je vais les trouver? Putain, la police. Allô? Ouais. Allô? Allô? Allô, Jules, ouais, t'es où? Je suis devant Grand Palais là. T'es dans le Grand Palais là? Ouais. Non, non, je suis devant, vraiment devant l'entrée là où il y a écrit Grand Palais comme sur la photo là. Attends, on va se mettre devant le Grand Palais, à côté de la route. J'arrive. Vas-y. Ça bouge pas. Oh, il va me contrôler, c'est sûr. Putain, on fait chier, je me fais contrôler. Hop. Bonjour. Oui, oui, pas de soucis. Je peux me garer où exactement? Vous pouvez aller plus loin si vous voulez regarder votre téléphone. Ok, pote. Il y a un parking juste à droite? Ouais, il me semble. Ok, super, merci. Désolé. Putain, il y a la police de partout.
faut que je me donne sur YouTube. J'ai quelques amis et pour eux je fais ce tube. Tu sais la vie est rude et faut être très prudent. Je voudrais me barrer dans le sud et le faire dans le silence.